C'est Bryce. Okay. C'est quoi vous faites ça aujourd'hui? Ben, on fait créer des saucisses, faire connaître notre marque de commerce, les gars de saucisses. Okay. Ça a commencé comment cette histoire? C'est à elle ou c'est à toi? Ben, c'est un peu des deux. On voulait manger des bonnes saucisses. Fait qu'on s'est dit, crème, on en fait-tu? Puis c'est à partir de là, on est rendu avec une soixantaine de variétés. Ils sont toutes sans gluten, sont sans nitrite. Des bonnes saucisses, mais la fille, t'as ramassé ça où? La fille, on s'est connus, ça fait une vingtaine d'années. Là. Fait que, ouais. On... Une autre belle histoire. Ben oui, une belle histoire d'amour et de saucisses. Roxane. Roxane. Ça va bien? Oh oui, ça va bien. On peut pas se plaindre. On a eu une belle été, du beau barbecue. Ouais. Vous avez... Puis c'est quand même bon, vous pouvez vivre avec ça? Ben oui, écoute, on livre nos saucisses en au-dessus de 2000 épiceries, des restaurants un peu partout au Québec. Fait que oui, you know, on engage, on a une trentaine d'employés. Fait que c'est pas juste nous qui vivons. Je parle pas à n'importe qui, là. Ben, écoute, on a une belle petite entreprise là, locale, puis que là, on est rendu à travers le Québec, de Abitibi-Témiscamingue, du Grand Nord jusqu'à Baie-Comeau. Fait que oui, puis tout dans le milieu. Hey, merci. Alors, c'est Bryce, directement des gars de saucisses à Richemont, à l'Exposition agricole de Richemont. Ah, il est vraiment bon. Pour moi, il est bon dans tout. Très conquis, très gentil. Ouais. Une bonne petite saucisse. Ben oui, on va t'échanger ça contre ta vidéo. Fait que c'était Régent Drouin directement de Richemont, des productions EG.